Salut à toutes et à tous, c'est Daika, j'espère que vous portez bien. En tout cas, c'est parti pour une nouvelle vidéo concernant la route vers les 10 000 points de succès. Aujourd'hui, on s'attaque, comme vous avez pu le voir à l'écran, au Worker Blitzkrieg. Donc, on va envoyer du lourd. J'ai mis également la vidéo en accéléré x3, comme pour le Maléfice, afin que ça soit plus agréable à regarder. Voilà. Donc, je me dis, tiens, je vais peut-être tester les challenges, mais en fait, je les ai vite oubliés. Bref, vous allez voir après. Alors, pour cette technique. Pour arriver donc à ce succès, j'ai employé donc mes 6 persos habituels tels que le Kra, le Xelor, l'Eniripsa, l'Ekaflip, le Yop et le Zobal. Pourquoi cette composition? Parce qu'en fait je peux donc retirer des PM sans faire cette roulette PM qui a été donc lancée au premier tour, hein, qui m'a super ravi. Hein, voilà. Donc les mobs ont pu arriver 3 fois plus vite, le Worker avoir encore plus de chances de faire très très mal. Je peux quasiment pas le RALPM hein, vu qu'il faut le Blitzkrieg, donc c'est un petit peu vraiment relou. Du coup bah, je claque une rollback hein, afin d'être vraiment tranquille, voilà il arrive juste à une case. Ouf, je sauve la roulette PM. J'ai chargé la colère donc au premier tour avec mascarade du Zobal tour 4. Voilà, je rate à l'instant versatile, j'ai pas le choix de toute façon. Et donc avec la colère et la mascarade, je me dis que ça devrait passer. Voilà, je pense que c'est la meilleure technique que j'ai trouvée et qui m'était accessible pour gérer ce succès. Sinon, je voyais pas trop comment faire. Hein. J'étais un petit peu, je me disais bon, c'est un peu mort. Donc du coup, je me dis bon bah, je vais faire une petite tentative comme ça et puis on verra bien comment ça passe. Donc là, je décide de taper le Bork élémental d'air. Hein. Je crois que je le frappe. Alors attends, je réfléchis, non, je le frappe pas ce tour là. Mais voilà, donc en gros je fais ça pour... Enfin je pense que je vais le faire. Non, donc là le worker arrive. Et donc là on arrive proche du tour 4, hein, vu qu'on commence le tour 3. Enfin on est moitié du tour 3. Et donc après je me dis voilà, c'est le moment, ça va être le moment de Blitzkrieg le worker. Donc là, je ne fais même pas mascarade ce tour-là, hein. La mascarade sera le tour d'après. Donc là, je fais puissance, broc, putsch, etc. Donc vraiment pour maximiser les chances de poutrer ce worker. Donc là, je ne peux pas placer ma pupu et ma machine. Mais bon, je me dis tant pis. Mais du coup, là, je focus le bork d'air. Donc je lui fais très mal, hein, comme vous pouvez le voir. C'est assez énorme. Voilà, donc je le finis, il a été quand même recon par la mama, mais bon, j'ai été obligé de le finir, hein, parce que sinon le succès aurait été échoué. Donc là, j'entame le worker, donc vous voyez que je le fais assez chaud, hein, parce que voilà, la coco à 2200, il y a full sasa, hein, donc vous voyez que c'est très accessible. Et il reste 3000 PDV, là j'ai les relances du Kra, il reste 1600 PDV, hop, le crit de l'épée Glourson à 1350, et il reste 250 PDV. Voilà, le worker est tombé, avec déjà un mob. Aussi également, mais bon, les persos sont assez low life hein, parce qu'ils se sont pris assez énorme. Bon, là il y a la mascarade encore en jeu, hein, donc c'est pour ça aussi qu'il y a une différence de point de vie comme ça. Il reste encore les deux cyborgs hein, qui vont aussi faire assez mal, mais bon, donc voilà une petite technique assez sympa pour gérer ce donjon qui n'est pas très compliqué au final. Hein, mais bon, il faut quand même ne pas trop s'affoler parce que ça peut aller quand même assez vite hein, de se faire poutre. Donc voilà, il faut vraiment y aller calme et puis ça passe. Voilà, donc là il y a le cyborg pardon, que j'entame. Voilà, ouf, là le petit crit à l'Ernel hein, qui fait très mal. Donc là je refais les boosts, je me dis que je vais attendre. Voilà, là le cyborg qui fait très mal, hein, qui fait deux fois environ 700 dégâts. Donc c'est quand même assez fort, hein. Surtout pour un mob de ce niveau là quand même. Mais bon, hop. Je peux pas en fait bon devant hein, parce que sinon je bloque toutes les lignes de vue derrière. Donc je préfère ne pas lui enlever les résis et puis taper avec tous les persos que de lui enlever 15% de résis ou qu'au final qu'il n'y ait qu'un perso qui tape. Voilà, donc je le finis avec le Xel, donc je suis quand même assez large. Il reste plus que donc la mama qui soigne, mes 4 déjà recon. Elle avait recon le bork d'air, pardon, oui c'est ça. Donc j'ai pas trop de soucis là-dessus à me faire. Et puis il reste le feu. Donc c'est deux mobs à IA fuyard. Donc il se barre à l'autre bout de la map, complètement n'importe quoi, voilà, ça commence à roxer, donc là je me dis, hop, c'est le bon tour, il faut la faire.
Donc elle a des, quand même des assez grosses résilles, hein, la mama, donc il faut quand même assez se méfier. Bon, elle se prend quand même un petit mille à la gueule, ce qui fait assez plaisir. Et les cas devraient vraiment l'entamer beaucoup et même la finir. Voilà. Il reste plus que maintenant du coup le feu qui est tout à l'autre bout de la map. Enfin, déjà qu'il est parti déjà très très loin. Le petit push de placé. Je rock pas ce tour-là parce qu'il est dans deux tours, enfin dans deux persos. Et je rock serai tour 10. Voilà. Enfin là je commence à roxer je pense. Oui. Là voilà. Je fais tous les petits boosts. Hop 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 hop. Et là j'arrive. Bim bim. Ça fait très très mal hein, quand même. C'est assez puissant. Voilà la colère, hop, qui n'était pas chargée, hein. Je n'utilise plus du tout la colère, et voilà, c'est terminé. Donc petit combat qui passe bien, plus une petite étoile, et voilà le succès est déverrouillé, j'en suis à 8547. En tout cas, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu, et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde!